Vocabulaire usuel, phrase simple. Une montagne. Souvent, l'été, avec des amis, nous faisons des randonnées en montagne. Un vélo. Dans les villes, il y a de plus en plus de voies réservé au vélo. Les cyclistes peuvent y rouler en sécurité. Une jambe. J'ai mal à une jambe ici, un peu au-dessus du genou. Un placard. Un placard est une armoire aménagée dans un mur et fermée par une porte. Un couteau. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Il est gravement blessé. Un lave-linge. On dit un lave-linge ou bien une machine à laver le linge. Un coussin. Sur mon canapé, il y a plusieurs coussins pour la décoration et pour le confort. Un balcon. Mes cousins habitent un appartement au 4e étage. Ils ont un grand balcon. Une porte. La porte d'entrée du magasin est une porte vitrée automatique. Un vélo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent des vélos électriques. Un manteau. L'hiver est terminé. On peut ranger les manteaux dans les armoires. Un œuf. Des œufs. De plus en plus de gens consomment des œufs bio. Un placard. Nous avons un grand appartement, mais il manque des placards. Un œuf. Des œufs. Les poules pondent des œufs que nous utilisons pour la cuisine. Un lavabo. Il y a une fuite au robinet d'eau chaude du lavabo. Une vache. La vache est la femelle du taureau. Le veau est le petit de la vache. Un garage. Je range ma voiture dans mon garage. Une chemise. Il porte une chemise blanche à manches courtes. Une ceinture. Mes voisins sont tous les deux au chômage. Ils doivent se serrer la ceinture. Un vélo. Tu sais faire du vélo? Vous savez faire du vélo?
une gare. Mes cousins habitent un appartement à côté de la gare. Un château. Chaque année, environ 7 millions de personnes visitent le château de Versailles. Une montagne. L'hiver prochain, on ira une semaine en vacances à la montagne. Un étage. Vous habitez à quel étage? Un four. J'utilise un four électrique. Avant, j'avais un four à gaz. Un classeur. Pour mon classeur, j'ai besoin de pochettes perforées en plastique transparent. Une salle de bain. La salle de bain est occupée. Je prends une douche et elle sera bientôt libre. Une chaise. Je monte sur une chaise pour prendre un livre tout en haut de l'étagère. Du riz. Le riz est une céréale. Une céréale est une plante à graines. Le blé, le maïs, le mil, l'orge, l'avoine sont aussi des céréales. Une écharpe. Il porte une écharpe, un bonnet et des gants assortis. Un lave-linge. Autrefois, les femmes allaient au lavoir pour le lavage du linge. Un placard. Il y a deux grands placards dans ma cuisine. Un pour les assiettes et les verres, un autre pour les casseroles et les plats. Un four. Un four avec porte froide est une sécurité pour les jeunes enfants. Un château. Mes cousins habitent Angers, pas très loin du château. Une poire. La poire est le fruit du poirier. La poire a des pépins. Du riz. La Chine et l'Inde sont les deux premiers pays producteurs de riz. Une salle de bain. Sous la douche ou dans la baignoire, on ne doit jamais utiliser d'appareil électrique. Une ceinture. Je boucle ma ceinture de sécurité et je commence à rouler. Un manteau. En hiver, on sort les manteaux. Un classeur. J'ai acheté 3 classeurs en carton avec 4 anneaux. Un four.
Je pense qu'un four à gaz est plus économique qu'un four électrique. Un étage. L'ascenseur est en panne. Je prends l'escalier pour monter au cinquième étage. Du riz. Ma voisine réussit un délicieux gâteau de riz à la vanille et au caramel. Un lavabo. Le robinet d'eau chaude du lavabo fuit. Une éponge. Nous utilisons généralement des éponges synthétiques, mais il existe des éponges d'origine naturelle, les éponges de mer. Une veste. Mon voisin va à son travail en costume, avec un pantalon et une veste assortie. Une cerise. Avec des cerises, on peut faire des gâteaux ou de la confiture. Une veste. Il existe des vestes en laine, en coton, en lin, en cuir, en matière synthétique. Une porte. La porte d'entrée de chez moi est fermée à clé. Une écharpe. Je protège ma gorge avec une écharpe. Une trousse. Je range mes stylos dans ma trousse. Un classeur. En classe, les élèves ont plusieurs classeurs pour le français, pour les maths, pour les sciences. Une trousse. Juliette met deux trousses dans son sac, une pour ses stylos et l'autre pour ses feutres. Une vache. La vache donne du lait. Avec le lait, on fabrique du beurre, du fromage, de la crème, des yaourts. Un manteau. En général, un manteau s'ouvre sur le devant. Certains manteaux ont une capuche. Un fauteuil. On a trouvé sur le bon coin des chaises et des fauteuils de jardin. On ira les chercher samedi. Une chaise. Prends une chaise, assieds-toi. Prenez une chaise, asseyez-vous. Un four. Je mets le poulet au four. On pourra déjeuner dans 3/4 d'heure. Une gare. Le train arrive en gare. Un fauteuil. Je suis assis dans mon fauteuil. Ma journée a été fatigante. Je me repose. Une gare. Je suis à la gare.
J'attends mon train. Il doit bientôt arriver. Une jambe. Dans certains pays, les gens vivent presque nus. Dans d'autres pays, une femme ne doit pas montrer ses jambes. Un yaourt. Tu prends un yaourt? Sucré ou nature? Une ceinture. Son pantalon n'a pas de ceinture, mais des bretelles. Une chaussure. Tu chausses du combien? Du 42 ou 43, ça dépend du modèle de chaussure. Un couteau. Un couteau est un outil tranchant avec une lame et un manche. Une vache, du lait. Je ne prends jamais de lait. Je ne le supporte pas. Un yaourt. Ma cousine a une yaourtière. Elle fait elle-même ses yaourts. Une vache. Du lait. Je n'aime pas le lait. Par contre, j'aime le fromage ou le yaourt. Une chemise. Une chemise est un vêtement qui couvre le buste et les bras. En général, on porte la chemise à même la peau. Du beurre. Il n'y a plus de beurre dans le frigo. Du beurre. On peut cuisiner avec de l'huile ou avec du beurre. Une serviette. Après ma douche, je m'essuie avec une serviette. Un balcon. Un balcon, quand on a des enfants en bas âge, c'est dangereux. Une éponge. J'utilise une éponge pour nettoyer la table. Un œuf. Des œufs. Les oiseaux femelles pondent des œufs. Une trousse. Je sors ma trousse de mon sac et je prends un crayon et ma règle. Un vélo. Je suis en train d'apprendre à faire du vélo. Les enfants apprennent vite, mais pour les adultes, c'est plus difficile. Du riz. Le riz est l'aliment de base de la cuisine asiatique, chinoise, indienne et japonaise. Une chaise. Je suis assis sur une chaise. Un coussin. Un coussin est un sac fermé rempli de plumes, de laine, de fibres végétales ou, le plus souvent, de matières synthétiques. Une gare.
Je vais à la gare acheter mon billet pour Bordeaux. Une poire. Ma voisine connaît une très bonne recette de gâteau aux poires et au chocolat. Une salade. On peut manger la salade en entrée ou bien avec ou après le plat principal. Un balcon. En 2016, à Angers, l'effondrement d'un balcon a entraîné la mort de 4 personnes. Un étage. Dans ma tour, il y a un ascenseur pour les étages pairs et un autre pour les étages impairs. Un placard. J'ai rangé mon pull et mon pantalon dans le placard de ma chambre. Une salade. J'ai préparé une salade avec des tomates. Un yaourt. Tu aimes les yaourts? Une salade. Dans certaines régions, on prend la salade avec le fromage. Une chaussure. La plupart des jeunes aujourd'hui porte des chaussures de sport. Une jambe. Mon voisin est tombé dans l'escalier. Il a une jambe dans le plâtre. Une salle de bain. Dans ma salle de bain, il n'y a pas de baignoire, mais une douche. Une poire. La Chine est le premier producteur mondial de poires. Un couteau. Je prends un couteau pour couper le rôti en tranches. Une montagne. L'hiver, en montagne, on peut faire du ski. Un œuf, des œufs. On utilise les œufs de poule pour la cuisine et la pâtisserie. Une chemise. Il existe des chemises en coton, en lin, en soie, en matière synthétique. Un coussin. Le chat est allongé sur un coussin. Une porte. Mon voisin est vendeur de tapis. Il sonne chez les gens. Il fait du porte-à-porte. Un manteau. Avec son manteau, son chapeau et ses gants, mon voisin est un homme très élégant. Une montagne. En France, il y a plusieurs régions de montagne, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges.
une ceinture. Mon neveu fait du judo, il est ceinture marron. Une porte. Je ferme la porte à clé. Une chaise. J'entre dans un café. Il y a plusieurs clients. Certains sont assis à une table, d'autres sont debout devant le comptoir. Une cerise. La cerise est un fruit avec un noyau. Les cerises poussent sur les cerisiers. Une trousse. Je ramasse mes stylos, mes crayons, ma gomme et je range tout ça dans ma trousse. Un balcon. Sur son balcon, il a mis quelques pots avec des fleurs. Un lave-linge. Je mets mon linge sale dans le tambour du lave-linge et je choisis un lavage à 40 degrés. Une cerise. La Turquie est le plus grand producteur de cerises au monde. Une chaussure. Le lacet de ta chaussure est défait. Une veste. Une veste est un vêtement à manches longues. On porte une veste au-dessus des autres vêtements. Un garage. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas besoin de garage. Une éponge. Je prends une éponge et j'essuie la table. Un château. Tu as déjà visité le château d'Angers? Une chemise. Mon oncle repasse ses chemises lui-même. Une salade. Une essoreuse à salade, c'est très pratique pour retirer l'eau. Une serviette. À table, je mets une serviette sur mes genoux. Un lavabo. Je me lave les mains au lavabo. Tu te laves les mains au lavabo. Vous vous lavez les mains au lavabo. Un fauteuil. On a changé le canapé et les deux fauteuils de notre salon. Un garage. Je n'ai pas de garage. La nuit, ma voiture reste dans la rue. Un yaourt. Le yaourt est préparé avec du lait. Il existe plusieurs sortes de yaourts, nature, sucré, aux fruits. Un étage. On habite au quatrième étage, mais il y a un ascenseur.
du beurre. On peut acheter du beurre doux, du beurre demi-sel ou du beurre salé. Un four. À ton avis, est-ce qu'un four à gaz est plus économique qu'un four électrique? Un couteau. On ne voit pas à 10 mètres. Il fait un brouillard à couper au couteau. Une salle de bain. Il y a deux lavabos dans notre salle de bain.